Monter. Donne-moi ton numéro, si jamais, ouais. Si on a besoin de barmètres, des trucs comme ça. Attends, je vois le patron, je vais te le chercher, bouge pas. Reste là deux secondes, il arrive. Toi, la petite qui est la robe à fleurs, là, les cheveux courts. Mmh. Elle a picolé toute la soirée, elle est prête. Là, tu peux y aller, y a pas de problème, elle est mûre. Ok, appelle Gaze, hein, je m'occupe d'elle. Ok. Oh. Allez, ouais. Deux coupes. Qui lui ? C'est patron, pourquoi ? J'ai l'impression de l'avoir déjà vu. C'est pas étonnant ça. C'est le roi de la nuit, monsieur Loriot. Il pose dans tous les magazines. T'es qui toi, casse-toi, va, allez, va. J'ai vu, il a mis un truc dans son verre. Casse-toi, je te dis. Petit malin, j'ai te balancé au flic, tu verras moins. Connard. Oh, oh. C'est moins drôle là, hein. Hein, c'est moins drôle. Casse-toi. Jamais il y a faute. Il nous caresse à peine, le gars. Mais arrête. Oh là, bonjour Laurence. Bonjour. Bonjour Laurence. Bah, c'est pas compliqué, depuis qu'il est là, je le vois plus pareil ce job, moi. C'est vrai que les stagiaires de l'école de la magistrature, c'est autre chose que ceux de la police. Ah, mais ça, c'est une élégance, hein. C'est un top modèle, quoi, c'est Laurence. Comme c'est charmant. Oui. Vous le voulez, ce café ou pas ? Oui, un demi-sucre, s'il vous plaît. Ah, bah, alors, pépère, bah, attention, hein, sucre et le glucose sont vides. Non, mais attends, quand tu seras foutu comme moi à mon âge, tu pourras parler à la demoiselle, hein ? Bon, quand vous aurez fini de recouler, dépêchez-vous, il y a un cadavre sur les quais, je pense que c'est un meurtre. Allez. Gosse. Alors, il était planqué derrière les poubelles, là ? Le commissaire était planqué derrière les cartons. Il y avait des papiers sur lui ? Il avait rien. Pas de carte de crédit, pas de téléphone, rien ? Absolument rien. Il a été dévalisé. Qu'est-ce qu'il a comme blessure ? Il a reçu un coup dans la région occipitale. Il a une plaie derrière le crâne. Et à voir la rigidité du corps, je suppose qu'il est mort il y a 4 à 5 heures. Commissaire, ça confirme la thèse de la bagarre, ça. Le type hier soir, il fait la fête. Il rentre chez lui, bien sapé, ça sent la thune. Il croise une bande de racailles, il le dépouille, il se défend, boum, il dérouille. Possible, mais il y a un truc qui m'échappe. Quand un type tabasse à mort un mec pour le dépouiller, il prend pas trop de précautions pour le planquer. Hein. Il pense qu'il y a une chose, c'est à foutre le camp. Donc, c'est possible, enfin. Bon, je te lance enquête de voisinage. Ok. Tu vois, avec... Ouais, j'ai eu le légiste, il arrive dans un quart d'heure, j'appelle l'identité judiciaire. Ok. Tu prends la photo, tu me la diffuses partout, je veux savoir qui c'est. Ok, très bien. Commissaire, on a l'identité du type qu'on a retrouvé ce matin sur les quais. Chapeau, moins de 24 heures. Ouais, on n'a pas de mérite, hein, ça vient pas de chez nous. Ça vient tout droit du ministère. Ministère ? Marc Guéraz, le fils du banquier. Ouais. Bah, ça m'étonne pas que ce soit allé si vite. Je préviens les parents.
Non, non, je vais le faire. Je vais le faire. Ok. Madame, je souhaiterais m'entretenir avec monsieur ou madame Marguera, s'il vous plaît. Qui dois-je annoncer ? Le commissaire Valence. Je vous en prie, entrez. Merci. Des nouvelles de François, monsieur le commissaire ? Hélas, oui. Elles ne sont pas bonnes. Votre fils est mort. Je suis navré. C'est pas possible. Qu'est-ce qui est arrivé ? Vous savez, au moment où je vous parle, on n'a pas encore fait de progrès suffisant pour le savoir. Peut-être une rencontre malheureuse qui précède une bagarre qui tourne mal, ou peut-être avait-il sur lui des objets de valeur. Franchement, je ne le sais pas encore. Il n'est pas violent, François. Il se bat jamais. Il n'avait rien sur lui. Il avait une carte de crédit, une chaîne, une montre. Il n'avait rien de valeur. Où est mon fils ? Il est à l'Institut médico-légal, madame. Je veux le voir, monsieur le commissaire. Je vais vous y conduire, madame. Eh bien. Oui, non mais écoutez, là, ça va pas être possible, hein, dans l'immédiat. Vous rappelez plus tard, vous êtes déjà... Non, le commissaire n'a aucune déclaration à faire. Oui. Écoutez, auditeur ou pas auditeur, là, on peut pas. Non, c'est pas. Non, voilà. Merci, au revoir. Le journal télévisé ? Bon, attendez, je vais voir. Hein. Deux secondes. Commissaire, c'est le JT et ils veulent une interview. Non, mais j'ai pas le temps, on n'a pas le temps. Eh, dites au standard, ils nous passent plus de communication, ça sert à rien, on peut pas les prendre. Oui, monsieur le commissaire. Ok ? Tu as pensé à appeler la banque du Margaras ? Oui, j'y suis allé. Et alors, il a utilisé sa carte de crédit avant-hier soir, vers 23h17. C'était pour entrer dans une boîte de nuit, le Bazooka. Bazooka ? Eh ben, on va aller y faire un tour. Et son portable, il parle ? J'ai contacté les opérateurs, ils font des recherches et ils nous rappellent. Très bien. Ah ! On insiste ? Bah, normal. Toujours aussi peu doué, hein ? Hein ? Bon, enfin. Voilà. Allez, continue, ça peut venir. Non, c'est pas possible. Oui, très bien, je vais la recevoir. Bonjour, madame le procureur. Je suppose que vous venez me voir pour l'affaire Margueras. Oh, c'est toujours un plaisir de vous voir, commissaire. Je peux ? Vous en prie. Mais étant donné la notoriété de son père, vous imaginez bien qu'on s'est déjà ému en haut lieu. Je m'en doute. On attend des résultats et rapidement. Écoutez, on a plusieurs commissions rogatoires qui doivent rentrer. Dès que j'ai les résultats, je vous les donne. Je vous fais entièrement confiance. D'ailleurs, ce n'est pas l'objet principal de ma visite. J'ai quelque chose à vous demander. Je vous en prie. Caroline de la Louvrière, vous connaissez ? La journaliste ? Oui. Ou enfin, je la connais comme tout le monde. J'ai particulièrement apprécié son enquête là sur les viols sous GHB. J'ai trouvé formidable. Bien. Ben, je suis ravie que vous l'appréciez. Et pourquoi ? Ben voilà, elle souhaiterait écrire un article sur la police. Un papier plus particulièrement destiné aux jeunes qui ne saisissent pas toujours notre action, vous voyez ? Ah oui, je trouve que c'est une très bonne idée. Mais je vois pas en quoi ça me concerne. Faites pas semblant de pas avoir compris, commissaire. Si le Triangle d'Or a été choisi, c'est parce que c'est le quartier le plus prestigieux de Paris. Et que forcément, on y a mis le meilleur flic de France, le commissaire Valence. Vous flattez beaucoup. Enfin, reconnaissez qu'avec cette affaire sur le dos, j'ai pas le temps de m'occuper des médias et en tout cas pas de les mêler à cette enquête. Ça tombe mal, je vous le concède. Mais la volonté politique, c'est la transparence, vous le savez.
Et moi, je suis persuadée qu'un papier de Mademoiselle de la Louvrière serait excellent pour notre image de marque. Oui, ben moi aussi. Mais vous voyez, moi, je suis flic. Je suis pas attaché de presse. Je vous croyais plus coopératif, commissaire. Je ne peux pas vous y obliger. Non, mais comprenez, je suis débordé de travail avec ça. Commissaire, excusez-moi. Moi aussi, j'ai du travail, commissaire. Je vous présente Caroline de la Louvrière, commissaire. J'avais deviné. Vous savez, mon travail est plutôt complémentaire qu'incompatible avec le vôtre. Vous n'êtes pas contre la transparence? Non, mais j'ai pas tout à fait la même notion que vous de la transparence, voyez? Mon métier à moi, c'est de courir après les voyous, c'est pas d'organiser des conférences de presse, ni de traîner les journalistes. Mais je suis pas là pour traquer les dysfonctionnements de la police ou détecter les bavures. J'ai aucun a priori. Je veux juste observer, commissaire. Observer et raconter. Le contrat me paraît des plus corrects. Acceptez, Valence. Mais évidemment. Enfin, faites comme vous voulez, mais c'est pas de ma responsabilité, hein. Merci. Commissaire, je peux vous voir? Oui. C'est à propos du portable de Marguerite. On s'en est servi hier matin à 10h57 pour appeler une... Bonjour. Bonjour. Pour appeler une bijouterie rue de la Boétie. 8h après sa mort? Exactement. Bon, tu dis à Bart d'aller avec Laurence à la bijouterie et nous, on va aller à la boîte, là. Ok. Comment s'appelle? Le Bazooka. Ok, on y va. Bah, commissaire, je peux venir avec vous? Commissaire, vous voulez pas qu'on prenne la vôtre, là? Tu sais que tu m'inquiètes, toi? Pourquoi? Tu ne fais pas une petite fixation sur les voitures, hein? Hé, hey, c'est une lubie! Quelque chose pour vous? Police, commissaire Valence, je voudrais voir Loriot, votre patron. Ah, Loriot, il est pas là, mais il y a Ardel, le chef des portiers. Eh ben, appelez-moi Ardel. Bonjour, commissaire. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Avant-hier soir, il y a un de vos clients qui s'est fait assassiner, juste à côté de vous, là. Non, merde, j'étais pas au courant. Vous connaissez? Non, ça me dit rien du tout. Tu connais, toi? Sophie, la physionomiste, c'est son boulot. Oui, il me semble que je l'ai vu avant-hier soir, c'est ça? Oui, c'est ça, ouais, à 23h17. Et à quelle heure il est parti? Entre les entrées, pas les sorties. Il s'est rien passé d'anormal, il n'y a pas eu de bagarre, pas de dispute ce soir-là. Regarde. Non, à l'intérieur, c'était très calme. À l'extérieur aussi, enfin comme d'habitude. Ouais, comme d'habitude. Les boîtes de nuit sont des havres de paix, c'est bien connu. On n'y boit que du petit lait, on n'y consomme jamais la moindre substance illicite. Vous voulez nous faire croire quoi, là? C'est un camp de boy scout que vous tenez? Non, mais enfin, vous voyez bien qu'il y aura... Ça va! Bon, vous direz à Loriot que je veux le voir, hein, j'ai des choses à lui dire. Très bien, la commission sera faite, monsieur le commissaire. Mademoiselle de la Louvrière, j'aimerais qu'on mette les choses au point. Si vous êtes ici sur mon dos, c'est un peu contre ma volonté. Alors si vous faites une enquête sur le GHB, il faut changer de boutique. Ici, vous observez, c'est tout. Et vous ne la ramenez pas encore moins dans un interrogatoire. Parce que vous imaginez que s'il y avait eu un problème avant-hier dans la boîte, il vous l'aurait dit. Écoutez, vous me laissez imaginer ce que je veux. Mon métier, c'est d'écouter, d'observer et ensuite de démontrer et de prouver. Compris? Allez, on y va. Malade, lui! Attends, regarde. Vas-y, mets vite le gyro.
qu'est-ce qu'il nous fait là? Et merde, où il va? Il s'en est. Allez, monte! Allez! Allez, monte! Doucement, doucement, doucement. Ça va. Allez. Vas-y, doucement. Amène-le. Mais. Putain, c'est un monde. Ça n'a pas l'air de vous concerner beaucoup, hein? Je fais de l'investigation, commissaire. Pas du fait divers. Ouais. Vas-y, emmène le fait divers avant qu'il attrape la crève. Vous voyez, mon boulot, c'est aussi ça. Les merdes que nous crée la société. Quand tu l'amènes dans mon bureau? J'enlève les pinces. Tu peux pas appeler ça des menottes, non? Oh, le commissaire, et tous les keufs, ils parlent comme ça. Ah, les keufs. Mais moi, je suis flic, tu vois. Pas toi? Allez, mets-lui une couverture, il va attraper la crève. Commissaire, commissaire, il y a Bart qui vous attend, salle d'audition. Il est avec la bijoutière de la rue de la Boétie et il m'a dit que ça avançait bien. Bon, de toute façon, je vais y aller. Ah, commissaire, je crois que madame a reconnu notre client. Bonjour, madame. Bonjour. Bon. Oui, oui, c'est sûr. Hein. C'est bien ce jeune homme qui est venu hier me proposer d'acheter des bijoux après m'avoir téléphoné. Très bien. C'était un toxico fiché chez nous. Il s'appelle Frédéric Lemoine. On a son adresse? Non. Bon, on cherche son adresse, on envoie un avis de recherche et un mandat d'arrêt. Ok. Hein? Merci de votre collaboration, madame. Mais je vous en prie. Continuez. Asseyez-vous. Tu veux un café? Comment tu t'appelles? Nicolas. Nicolas comment? Nicolas Garnier. T'as quel âge? 17 ans et demi. Eh ben, t'es précoce. Comment joignent tes parents? J'ai pas de parents. C'est-à-dire? Ben, je suis de la DAS. Je me suis cassé de ma famille d'accueil, c'était des gros cons. Dis, hé, hey, un ton en dessous, s'il te plaît. Hein? Ça t'arrive souvent de faire les sacs des femmes comme ça? C'est la première fois. Bah dis donc, si c'est la première fois, t'es drôlement doué. Moi, j'ai plutôt l'impression que tu me racontes des histoires. Bah ça va, vous m'avez pécho, c'est bon, vous allez pas me faire la morale non plus. Dis-moi, tu baisses d'un ton, hein, parce qu'ici, tu m'impressionneras pas. Tu t'es rendu compte de ce que tu faisais? C'est pas un sac de bonbons que t'as volé. Tu bouscules une femme, tu lui prends son sac. Si ça tourne mal, elle tombe par terre, tu deviens un assassin. T'es malin? Bah ça va, monsieur, je m'attaque pas aux petites vieilles. C'est juste genre les meufs blindées, quoi. Ah ouais? Parce que d'après toi, toutes les femmes qui se promènent dans le 16e, c'est des meufs blindées. Tiens, allez me chercher, madame Dumas. Tu vas voir les meufs blindées. Je vous en prie. Bonjour, monsieur. Bonjour, madame. Voilà votre agresseur. Un OPJ va prendre votre déposition et va recevoir votre plainte. Mais qu'est-ce qui va lui arriver si je porte plainte? Ça dépend du procureur. Tout peut se passer. Ça veut dire qu'il pourrait aller en prison? Ah ben évidemment, une agression pareille, il peut aller en prison. Non, je préfère pas, je porte pas plainte. Vous êtes sûr? Oui. Il y a pas de risque, hein? Non, non, je sais bien, c'est pas ça, mais j'en ai un comme ça, qui a quasi le même âge, je... Non, non, je préfère pas. C'est comme vous voulez. Dis, t'as entendu? Eh ben, tu peux faire tes excuses, quand même. J'ai pas entendu. Excusez-moi. C'est tout? Merci, madame. Merci pour lui. Au revoir, madame. Au revoir. Mais incroyable, attends, le gamin devant nous, il prend le sac devant nous. C'est pas vrai. Il était fou, je te jure. Ah, Caroline! Ah, mais vous connaissez pas, tout est le... Non, on a fait que se croiser. Laurence Barthélémy. Caroline de la Louvrière. Je lis souvent vos articles. Ils sont top. Notamment les derniers sur le GHB. Je les trouve criants de vérité. GH quoi?
Le GHB. Tu connais pas le GHB ? Ah non. Alors si vous permettez. Donc, avant d'être une drogue, c'était un anesthésique. Ensuite, ils se sont aperçus que ça ne laissait aucune trace dans le corps. Idéal pour violer les filles, ni vu ni connu. Ah, tu m'étonnes. Voilà. Mais le pire dans tout ça, c'est qu'en plus de t'assommer, ça t'enlève toute inhibition. Ah, tu te lâches complètement. Oui, voilà, c'est-à-dire qu'elle elle se fait violer, mais elle est active quand même. T'imagines la culpabilité de la nana qui s'est fait violer ? Wow. C'est ça, hein ? Caroline ? C'est ça ? Oui, oui. Je vois que vous m'avez bien lu. Ah, c'est pas n'importe qui, hein. École à la magistrature. Vous êtes en stage ? Enfin, si on veut, en fait, je voulais faire un petit tour dans la police avant d'être nommée à trifouiller les oies. Ah, histoire de se coltiner à la racaille. Ouais, plutôt la volaille. Parce que je peux te dire qu'après un petit stage ici, les petits poulets de grain à ton genre, ils pourront plus me la faire. Mais vole-moi dans les plumes, là. Pour enfiler droit. Vole-moi dans les plumes, ouais, c'est quand tu veux. Ouais. Bon, on va bosser un petit peu. Ouais. Caroline, vous venez avec nous ? J'arrive. Toute la nuit. Bon, bon, bah, tu viens pas acheter du nouveau. Bon, je te laisse. Mais Laurence, vous le conduisez au parquet, s'il vous plaît. Mais qu'est-ce qui va m'arriver, là ? Eh ben, tu vas rencontrer la substitut du procureur de la République, elle va décider de ce qu'elle fait de toi. Mais bon, comme la plainte a été retirée, je vais l'appeler, je pense que ça sera pas trop grave. Mais ça veut dire quoi ? Ça sera pas grave ? Eh ben, au lieu d'aller en prison, tu vas aller à la DAS, voilà. Ouais, de toute façon, la DAS et la prison, c'est la même chose. Dis, tant que t'es pas allé en prison, tu sais pas ce que c'est. Je peux te dire que c'est pas la même chose. Ouais, de toute façon, je m'en fous. Je me barrerai. Voilà. Ben, essaye un peu. Je vais t'avoir à l'œil, hein. T'as compris ? Alors, tu fais gaffe à toi. Et si t'as un problème, tu m'appelles ici. Allez, emmène-le. Tu sais, ça se passera pas toujours comme ça. C'est quand même bien. C'est un sacré lascar, lui, hein. Bon, j'ai eu les gars de la patrouille PS. Il s'est rien passé au bazooka avant-hier, hein. Ni dans la boîte, ni autour, de toute la nuit, rien. Marthe a retrouvé l'adresse de Frédéric Lemoine. Eh ben, bravo. Lemoine a refourgué la chaîne et la montre du petit Marie-Raz à la bijouterie. Tenez, il habite chez sa mère. Eh ben voilà, on va y aller. 122 rue de Rome. Ça y est, on l'a, cet assassin, là. Oui, du calme, rien n'est fait. Tu préviens Bart, je retourne en bas, hein. Non, écoutez, après la prestation de ce matin, si ça vous dérange pas, je vais me passer de vos services, hein. Ah, mais vous faites la maligne aussi, alors. Ouais, Bart. Ouais, c'est moi. Bah écoute, faut retrouver Valence en bas, là. Ouais, dépêche-toi. Ciao. De mettre la musique à fond comme ça ? Tu veux que les voisins fassent une pétition ? Qu'on nous expulse, c'est ça ? Qu'on se retrouve à la rue tous les deux ? Oh, je les emmerde, les voisins, qu'ils aillent se faire foutre. Mais qu'est-ce que tu fais, là ? Ben, je range, là, tu vois ? Je veux être tranquille. Tu veux être tranquille ? Tranquille. Oui, tranquille. Ben, t'as qu'à partir, tu sens tranquille, hein ? Mais non, t'es bien content d'avoir ta mère pour te loger et te nourrir. 26 ans, mais jusqu'à quel âge tu vas me pourrir la vie, hein ? Jusqu'à quel âge ? Tu te casses, ouais. Dégage ! Dégage ! Qu'est-ce que c'est ? Police, commissaire Valence. Madame Lemoine, où est Frédéric ? Je sais pas. Il se passe, maman ? Police. Tirez-vous là ou je l'étrangle ! Arrête ! Arrête, Frédéric ! C'est ta propre mère, t'as pas honte, hein ? Ta gueule, avance pas ou cher ! Arrête, je prie, arrête ! Tu veux nous faire croire que t'es capable de tuer ta mère ? Hein ? Si on part pas, bah tu vois, on part pas. Et tu le fais pas. Tu crois que je suis pas capable ? Tu veux que je te dise ? Ce que je crois, c'est que t'as pas pris assez de coups de pied dans le cul quand t'étais jeune. Alors tu continues comme ça et je vais te faire rattraper le temps perdu. Allez, faites pas de mal ! Allez, faites pas de mal ! Asseyez-vous, voilà. Et ça ? Tu peux nous dire d'où ça vient ? Je les ai trouvés dans la rue. Ah ouais, bien sûr. Les portables et les cartes bleues, ça pousse sur le macadam. Tu te fous de notre gueule. Tu sais que t'es suspecté de meurtre, quand même, le moine. De meurtre ? Non, Frédéric, c'est pas vrai. Mais bien sûr, c'est pas vrai. C'est quoi, ce délire ? Tu veux que je dise, c'est quoi, ce délire ? Avant-hier soir, tu sors de chez toi, comme d'habitude. T'es en manque, comme d'habitude. Pas une thune, comme d'habitude. Pas de cam, comme d'habitude. T'es sorti, tu t'es repéré un mec, comme d'habitude. Et là, tu croises le petit François Marguiraz. Il est pas bien balèze, un peu frêle. Et la suite, tu la connais. Non, mais c'est pas vrai, c'est n'importe quoi. Je savais même pas qu'il était mort, ce mec, moi. Ah, bah dis donc. Ça revient. Si tu nous la racontais, la fin du film. Bah, avant-hier, je me suis engueulé avec ma mère, comme tous les soirs.
Mais dis-leur, maman, que c'est vrai, putain. C'est la vérité, oui. Et après? Je suis allé zoner du côté des Halles, voir s'il n'y avait pas un pote qui pouvait me dépanner du produit, quoi. Et t'en as trouvé? Bah, des potes, oui, mais du produit, non. Et c'est là que tu tombes sur le petit Margaraz. Oui, c'est vrai. Quand je suis rentré, je suis passé par les quais, j'ai vu ce mec allongé sous des cartons. Mais moi, je croyais qu'il cuvait, je vous jure. Alors, je me suis approché, je lui ai fait les poches, je lui ai pris ses sous, son portable, ses bijoux. Mais c'est tout. C'est tout. C'est tout. C'est pas mal, non, déjà? Qu'est-ce que t'as fait de sa montre et de sa chaîne? J'ai essayé de les revendre dans une bijouterie, mais ils m'ont jeté. Alors, je les ai échangés contre 3 paquets hier. Eh ben, voyons. Allez, on l'amène. C'est pas lui. C'est pas l'assassin, mon fils. J'espère, madame. J'espère pour vous. Oui, bien sûr, oui. Oui, absolument, oui. Non, mais ne vous inquiétez pas, monsieur, la police n'en montera jamais jusqu'à vous. Oui, oui, oui. Oui, oui, j'ai bien compris, j'élimine. C'est ça. Et ça, je vous tiens au courant. Bon. On va passer par la porte de secours. Bonjour, patron. Elle est où, Sophie? Ah, je sais pas. Je l'ai vue tout à l'heure, elle doit être dans le bureau. Moi, un verre, hein. Tiens. Ton fric. Allez, maintenant, tu dégages. Tu m'as parlé, là? Tu dégages, là. T'es viré, je veux plus te voir. Tant pis, t'es pas chez moi récupérer tes femmes, je te largue! Tu me largues? Mais c'est pas toi qui me largue. C'est moi qui pars. Allez, tiens-toi. Tiens-toi, moi, je t'en colle, là! T'as pas l'air content de nous voir, Loriot. Cache ta joie. Et si, ça va. C'est un peu chaud, quoi. Alors, ça va, Gaz? Qu'est-ce que tu fous, là? Comment t'es rentré? Alors, rassure-toi, très discrètement. Personne nous a vus. Qu'est-ce que tu vas faire ici? Qu'est-ce que tu veux, hein? Bah, figure-toi que... tes conneries... il n'a pas trop plu à mon client. Eh, putain, Gaz... Non, mais je t'ai expliqué que ce petit con, il allait tout balancer au flic, non? Ah, si j'avais pas bougé, on serait tous devant le juge alors qu'il est. Hein. Alors toi et ton client, vous devriez me remercier au lieu de me chercher les noises, non? Hein, Gaz? Je sais bien que c'est pas la gratitude qui t'étouffe, Florio. Alors, c'est toi qui l'as buté, ce gosse? Qu'est-ce que ça peut foutre, Gaz? Je te pose une question, Florio! Oui, Gaz. Non, c'est Ardel, c'est mon portier, là, putain. Ce con, il a frappé fort, et puis... Et où Ardel? Je sais pas, moi. Mène-toi le cul de répondre, parce qu'il n'y aura pas de session de rattrapage. Je sais pas, je te dis. Oh, Gaze. Tu sais pas? Si, je sais. Sophie. Sophie! Ah, Sophie. Sophie, elle doit savoir. Non, ils passent leur nuit à la porte à papoter ensemble, ils se racontent leur vie, alors. Serre-toi pas en coup, hein. Ouais, Mario? Ouais. Elle est là, Sophie, ou pas? Laisse-la rebarrer. T'es au contrarié ce que tu me dis là, Loriot. Les contrariétés, ça me rend mauvais. Ça va pas, Gaz? T'es malade ou quoi? Non, je suis pas malade. Je sais où elle est. Je sais. Elle est chez moi. Merci, garçon. Envoie un coup, putain. Avec plaisir. Allez, on file.
Alors ce garçon a assassiné mon fils pour le voler. C'est pas possible qu'il soit mort pour ça. C'est trop injuste. Il est peut-être pas mort pour ça, madame. J'ai du mal à croire à la culpabilité de Lemoine. Mais enfin, mais qui voulez-vous que ce soit? On a retrouvé les affaires de François sur lui. Qu'est-ce qu'il vous faut de plus? Je sais, mais plein de petits détails me montrent qu'il s'agit plutôt d'un crime prémédité que le crime d'un vol qui a mal tourné. Ah, excusez-moi. Vous connaissez mieux votre métier que moi, mais... vous savez, nous avons tellement hâte que le coupable soit arrêté. Je comprends, je comprends. Pardon, excusez-moi. Oui. Commissaire, oui, Carrère. On vient d'avoir un appel, là, une fusillade au bazooka à la boîte. Il y a un mort. Bon, bah écoutez, j'arrive tout de suite. C'est François avec sa sœur. Sa sœur? Vous connaissez ma fille? Oui, oui, je la connais, oui. Elle a fait des pieds et des mains, elle a remué la terre entière pour pouvoir faire une enquête sur ma brigade. Je comprends mieux maintenant. Une sacrée fiesta hier soir. Hein. On dirait, oui. Carrère. Oui. Ça va? J'ai pris les résultats déjà. Pas rester là. Hein. Une dispute avec sa maîtresse, vous dites? Ouais. Ouais, il s'engueulait ferme. Il était fou furieux, le patron. J'ai rarement vu dans cet état. Et elle est partie où, elle? Ah, bah, je sais pas. Elle s'est rebarrée aussitôt et puis je l'ai plus revue. Vous avez pas son adresse par hasard? Si, si. Si, normalement, elle crache chez le patron. Gros calibre, hein. C'est une arme de voyou, ça. Qui a découvert le corps? C'est le barman. Il est dans la pièce à côté, Bart l'interroge. Bon, je vais le voir. Ouais. Faites en sorte que j'ai tous les examens le plus vite possible. Ok. Ok. Tenez, Caroline, buvez ça. Merci. Ça va mieux? Oh. Je suis désolée, hein. Je sais pas ce qui m'est arrivé. C'est surprenant. Pour une journaliste comme vous, qui depuis des années fait des investigations où vous êtes au cœur des événements les plus graves, les guerres, les cataclysmes, tomber dans les pommes à la vue d'un cadavre, ça m'a surpris. Bah oui, mais je sais pas, en voyant ce garçon par terre, je sais pas. Vous vouliez faire une enquête sur la police de proximité, hein? Vous m'avez bien baladé, hein? Ça va pas, qu'est-ce qui vous prend? Je sais tout. Vous êtes l'admisseur de François Margueraz, le fils du banquier. Alors maintenant, dites-moi, qu'est-ce que vous voulez? Je veux retrouver l'assassin de mon frère. Voilà ce que je veux. Et vous croyez que c'est en faisant la taupe dans mon commissariat, vous allez m'aider à le retrouver? Si vous voulez qu'on le retrouve, il faut que je sache tout. Il faut me dire la vérité, toute la vérité. La vérité? Parler avec le barman. La maîtresse de Loriot, c'est une certaine Sophie Delmas. Elle s'est évaporée dans la nature après qu'il soit sévèrement engueulé. Alors, j'ai son adresse. Et moi, je la sens pas trop, cette piste. Hein. À mon avis, c'est plus un règlement de compte qu'un crime passionnel. Oui, t'as peut-être raison, mais enfin, on va quand même aller la voir. Tu t'occupes de Caroline? Ouais.
peux y aller. Hein. Au dernier étage, là. Hein? Vous allez me la chercher, mais vous faites doucement. OK? OK. Non, Laurence, restez là. Dites, vous restez en communication avec elle, hein? Saigner là. Tu l'emmènes, tu appelles le SAMU. Occupez-vous de lui, vous. Allez. Non, mais ça va, moi, j'ai rien. Oui, bah, écoute, pour aujourd'hui, je pense que ça va bien. Hein. Ça suffira. On est d'accord? Bonjour. Bonjour. Alors, la petite, qu'est-ce qu'elle a? La petite, rien de grave. Hein. Je lui ai juste fait 2 points de suture, elle va pouvoir rentrer chez elle. Lui? Pas très bon. Fait une hémorragie interne, on verra ça à l'hôpital. Bon, vous me tenez au courant? Bien sûr. Belle, hein. Il va falloir vous calmer un peu. Hein. Vous ne croyez pas qu'il serait temps qu'on arrête de jouer au chat et à la souris et qu'on mette tout sur la table? Qu'est-ce que vous voulez dire? Vous saviez que votre frère allait au bazooka? Je ne pensais pas qu'il irait, non. Mais qu'est-ce qu'il est allé y faire? Je ne peux pas vous le dire. Il est mort. On est en plein cauchemar, Caroline. Faut arrêter les cachotteries, maintenant. Épargnez-moi l'obligation d'aller fouiller votre vie. De toute façon, je vais tout savoir. Il est si lourd que ça, ce secret. J'ai été violée. Violée? J'avais rencontré 2 jeunes femmes victimes de viol au GHB. Tout ce qu'elles se souvenaient, c'est qu'elles avaient passé la soirée au bazooka.
Alors j'y suis allée. Je pensais pas me jeter dans la gueule du loup. Vous savez, ce genre de choses, on croit toujours que ça n'arrive qu'aux autres. Et puis, j'ai perdu connaissance. C'était le trou noir. La seule chose que je me rappelle, c'est d'avoir été trimballée et puis la chevalière que Loriot avait au doigt. Vous n'avez pas pensé porter plainte? Je suis même pas allée voir un médecin. J'ai juste fait un test HIV 2 mois plus tard. Négatif. Vous savez, quand on a été souillé et profané comme ça, on ne veut pas que ça sache, quoi. On a juste envie de mourir, c'est tout. Je comprends. Et c'est parce que votre frère était votre confident que vous lui avez tout dit? Mais je voulais pas lui dire. Mais vous savez, François et moi, on était très proches. Et puis, il voyait bien que j'allais de plus en plus mal. Alors, ben voilà, je lui ai dit. Vous n'avez parlé à personne d'autre? Non. Bien. Je vous attends dehors. Ça va pas? Elle m'a dit qu'elle avait été violée sous GHB. Tu sais, François, le petit Margaraz, c'est son demi-frère. Elle lui a tout dit, et lui, il a voulu en savoir plus. Il est allé là-bas et... Et voilà, il lui a laissé la peau. Finir le travail, vous plaisantez ou quoi? Mon lieutenant s'est fait descendre, je dois avoir tous les flics de France et de Navarre au cul. Alors comptez plus sur moi pour dénicher Ardelle. Non, non, c'est même plus une question d'argent. Il y a des priorités dans la vie. La priorité, c'est moi, ok? C'est ça. C'est ça, oubliez-moi. Connard. Laissez-nous, s'il vous plaît. Ça va aller? Vous voulez boire quelque chose? Non, merci. Non? Merci. Bon, il va falloir que je vous pose quelques questions. Alors, qu'est-ce qui vous laisse, Diego, là? Vous voulez récupérer le fric que Loriot devait à Guez. Enfin, je veux dire, l'argent qu'il lui raquettait. Vous voulez parler des 100 000 euros qu'on a trouvés dans votre sac? Oui, c'est ça. Ça démarre mal, mademoiselle Delmas. C'est Guez, je le connais bien, je l'ai arrêté 2 fois. Or, vous savez très bien, ça fait 2 ans qu'il ne fait plus de raquettes. Alors, ne me racontez pas n'importe quoi. Je sais pas ce qu'il lui voulait, moi. Il y a 2 minutes, vous me dites, il voulait récupérer l'argent, maintenant vous me dites, je sais plus ce qu'il voulait. Bon, écoutez, si ça démarre comme ça, ça va pas aller bien, hein. En fait, vous savez que Loriot est mort? Ouais, je viens de l'apprendre. Bon, ça n'a pas l'air de vous faire tellement de peine, hein. C'était pourtant votre amant. Mon amant? Il me sautait quand ça lui faisait plaisir, il me traitait comme une pute, oui. Eh ben voilà, c'est peut-être un début de réponse, non? Pourquoi pas, finalement, il vous maltraite, ben, en compensation, vous le taxez de 100 000 euros. Dites, il va falloir que vous parliez, hein, parce que moi, je suis pas pressé, ça peut durer toute la nuit. Hein. Tant que vous n'aurez pas craché le morceau, on va rester là. Hein. Bon, c'est bon, je... J'ai menacé de le balancer aux flics. Ouais, et pour quelle raison? Parce qu'il payait tous ses employés au black, et moi la première. Hein. Vous pouvez vérifier, j'ai aucune fiche de paye. C'est-à-dire que il se laisse taxer de 100 000 euros pour une fraude à l'URSSAF. Non, mais enfin, arrêtez un peu. Ça tient pas debout, vos histoires. Je suis fatiguée, moi, j'en peux plus. Eh ben, dites ce qu'il faut dire. Dites la vérité, dites-moi ce qui s'est passé, et le problème est réglé. Ça peut s'arrêter quand vous voulez. Voilà, ça dépend de vous. Vous voulez que je vous aide? Dites. Le petit Margaraz. Vous voyez, François, c'est pas pour se marrer qu'il est venu vous voir à la boîte, là. Hein? Il voulait identifier celui qui a violé sa sœur. Quelqu'un qui a une chevalière, vous voyez? Avec dessus une tête de lion. Ça vous rappelle rien, ça? Non. Et je crois qu'il l'a reconnu, moi, Loriot. Vous voyez? Et qu'il a identifié celui qui a violé sa sœur, et vous, vous avez assisté au meurtre.
Et c'est pour vous taire que vous l'avez taxé de 100 000 euros. C'est ça la vérité. Et vous savez ce qui va se passer si vous continuez comme ça? Vous allez prendre 20 ans aux assises pour complicité d'assassinat. C'est ça que vous voulez? Vous savez pas me mettre ça sur le dos, j'ai rien fait, j'ai alors dites, rien. Dites ce qui s'est passé. Y a pas de raison de découvrir. J'ai vu le petit... Il voulait sortir de la boîte. Et Ardel lui a couru après. Ça va, t'es bien installé, hein? C'est quoi ces manières? Et t'as pas appris ta maman que ça se fait pas de jeter des verres à la gueule des gens qu'on connaît pas, hein? Qu'est-ce que je t'ai fait? Ça va, arrête ton cinéma. Tu crois que tu me fais peur? T'es qu'un minable. T'as pas de couilles. T'es juste bon à droguer les filles au GHB pour les violer. Qu'est-ce que tu racontes là? Ça va pas? J'ai tout vu. T'es pas fâché, hein? T'es pas fait mal? On peut s'arranger tous les deux, non? Hein? Ardel, on peut s'arranger? Il y a toujours moyen. Combien tu veux? Ce que je veux, espèce d'ordure, c'est qu'on ferme ta boîte et que tu croupisses en tôle. Jol, petit con, jol! Hey, dégage de là, hein. Oh. Oh. Putain, il est mort, ce con. Oui, il est mort. Qu'est-ce qui se passe? Casse-toi, toi. Qu'est-ce que t'as fait? Casse-toi! Retourne à ta porte, putain! Saviez que Loriot et Ardel organisaient des viols sous GHB? Non, je savais pas. Je suis conne, mais pas au point de rester avec un mec qui fait des trucs aussi dégueulasses. Je sais que c'est pas bien d'avoir pris ce fric, mais moi, j'ai jamais eu de fric de ma vie, moi. Être né pauvre, c'est difficile, mais ça donne pas le droit de faire n'importe quelle connerie. Où est Ardel? Je sais pas. On l'a plus revu, il s'est séparé. Je vais aller en prison, c'est ça? Ah bah, y a de grandes chances. Non. Enfin, tout va dépendre maintenant comment vous allez coopérer. Mais qu'est-ce que je peux faire? Eh bien, déjà en nous aidant à retrouver Ardel. Je sais pas où il est. Je vous jure, je sais pas où il est. Sophie, je vous donne 24 heures. 24 heures. Elle va nous aider. Je crois surtout qu'elle va pas avoir le choix. Enfin, ça nous empêche pas de continuer nos propres investigations. Ouais, je vais consulter tous les indices, sa famille, ses amis, tous. Tu fais pareil pour Guez, hein? Pareil. Je voudrais savoir pourquoi il a tué Loriot. Mais qu'est-ce qui vous fait penser que c'est lui? Je suis pratiquement sûr. Enfin, ou lui ou Diego, son homme de main, qui de toute façon fait que ce que Guez lui demande. Au fait, commissaire, les aveux de Sophie, c'est Innocente le toxico qui a essayé de revendre les bijoux du petit Margueras. Ah ouais? Qu'est-ce qu'on fait? On le relâche? Bon, mais il a failli étrangler sa mère, il dépouille un cadavre, tu veux quoi? Qu'on lui file une décoration? Emmène-le chez le proc, il fera ce qu'il veut. Où est Caroline? À la fin de l'interrogatoire, elle a complètement craqué. Hein? Ouais. Je crois qu'elle est partie au vestiaire. Ça se comprend. Allez. Ça va? Ça va aller, ouais. Moi, maintenant, je peux mettre un nom sur mes violeurs et sur l'assassin de François. Ça répare rien. Mais si un jour je veux recoller les morceaux, si j'y arrive, j'aurai tous les éléments. Gonflé, Caroline. Gonflé? Et tu sais pas à quel point? Merci, Laurence. Merci.
Elle a assisté à l'interrogatoire de Sophie jusqu'à la fin. Et c'est seulement quand Valence lui a fait cracher à Sophie comment François Margaras s'est fait tuer, là, elle a craqué. Bah attends, tu m'étonnes. Margaras, c'est son frère. Non, c'est une sacrée nana quand même. Allez, respect. Commissaire. Bonjour. Alors, quoi de neuf? On a mis tous nos indices sur le coup et j'ai mis un gars qui filoche en permanence la sœur de Hardel, mais pour l'instant, silence radio. Sur Guez? Rien. Je le connais, celui-là. Je suis certain qu'il est planqué dans le coin. C'est-à-dire? Bon, il doit être dans un hôtel, dans un oblé. En tout cas, vous me fouillez tout le coin. Hein. Mmh, ok. Commissaire, en fait, regardez. Vous avez vu? Il y a du mieux. Il y a du mieux. Hein. Bon, enfin, tu vois, c'est pas suffisant. Oh merde. Commissaire, je crois qu'il y a la preuve dans votre bureau. Madame le procureur, vous vouliez me voir? Un peu, oui. Dites-moi, c'est quoi ce rodéo d'hier soir? Vous croyez au Far West? Fusillade? Enquête de l'IGS? Une journaliste dont vous aviez la responsabilité, blessée? Non, bravo. Bravo, c'est du beau travail. Écoutez, on a sauvé de justesse Sophie Delmas que Guez avait décidé de faire assassiner. On a identifié avec Hardel et Loriot les deux assassins de François Margueras. Alors je pense que, en moins de 3 jours, c'est pas si mal que ça. Au fait, vous savez, la journaliste que vous m'avez collée dans les pattes, là, c'est la demi-sœur de François Margueras. Et hier, elle a failli y passer. Si c'était arrivé, vous étiez dans le beau drap. Caroline de la Louvrière, la demi-sœur de François Margueras. Eh oui, le monde est petit, hein. Bon. Tenez-moi au courant. Comme d'habitude. Madame le procureur. Oui. Faites-moi confiance. On va y arriver. Et sur l'albâtre où je repose, un poète avec un baiser écrivit si j'ai une rose que tous les rois vont jalouser. François, je suis sûre que là où tu es, tu nous vois et tu nous protèges. Merci. Viens à la maison ce soir. On parlera de lui, ça nous fera du bien. Est-ce que c'est bien nécessaire? Alors, tu fais comme tu veux. Va avec lui, maman. T'inquiète pas pour moi. T'es sûre? Oui. Caroline? Ça va? Vous souhaitez que je vous ramène? Non, merci, j'ai ma voiture. Je peux même pas parler avec ma mère. C'est une femme sous influence, elle est complètement soumise à ce type. Je suis sûre qu'il pense que c'est à cause de moi que François est mort. Et puis il a pas tort, hein. J'aurais dû rien lui dire et puis tout garder pour moi. Arrêtez de nous faire du mal. Arrêtez. Courage. Ça va bien. On va voir le stall, là, à propos de Diego. Bon, ils estiment qu'il est en état de parler. Hein. Bon, on va l'interroger. Alors, raconte-moi. J'ai rien à dire, j'ai... Si c'est Guez qui te fait peur, t'as plus rien à craindre. Il est mort. Quoi? Eh oui, il a pas eu de peau, ton pote. J'avais lancé un mandat d'arrêt, un simple contrôle de police. Il prend la fuite, fusillade, bingo. Tu vois, Guez, il est plus là. Seulement maintenant, t'as tout sur ta gueule. Ah ouais, ça commence à faire lourd, là, Diego. Hein. Meurtre de Loriot, tentative de meurtre sur Sophie Delmas, coup et blessure sur jeune fille. Perpète. Attendez, là, Loriot, c'est pas moi, hein. C'est Guez. Mmh. En général, les morts ont toujours le dos large. Je connais la musique. Si tu veux que je te croie, je veux que tu me donnes le nom de celui pour qui il travaillait, son client, là. Ben, le malade, là. Le type, là, qui ont ramené les gonzesses.
Il a eu peur, là, quand Loriot, il a buté le gamin. Alors, il lui a demandé de faire le ménage. Mmh. Et comment il s'appelait? J'en sais rien, moi. Sur ma tête, je vous jure. Guest le connaissait, mais moi, je l'ai jamais vu. Comment ça se passait? Bah, Ardel et Loriot, ils nous ramenaient les filles raides défoncées dans le parking. Moi, je les remontais dans l'appart. Je les préparais. Enfin, je les redéloquais un petit peu, quoi. C'est ça. Quand le client avait fini ses affaires, je les redescendais dans le parking et Ardel et Loriot, ils s'occupaient de les relâcher dans la nature. Il est où, cet appart? Dans un immeuble Chicos, au dernier étage. 12 rue de Constantine, un truc comme ça. Pardon? 12 rue de Constantine. Dis-moi ça, ça te dit quelque chose? Ouais, peut-être. T'arrêtes ton char maintenant. Peut-être, ça veut dire quoi? Ça te dit quelque chose ou pas? Une galère, ouais. Elle lui a pas plu au client. Je comprends pas, elle était super canon. Il a fallu qu'on la foute dehors tout de suite. Non, mais... C'est le Saint-Esprit qui l'a violée? Mais je vous l'ai dit, c'est Loriot qui s'occupait de les relâcher dans la nature. On s'est barrés, nous. Je sais pas, il s'est laissé aller, quoi. Ah donc, c'est lui qui l'a violée, cette fois-là. C'est ça que tu me dis? J'en sais rien, j'en sais rien. Je sais pas, quoi. Ok. Pendant qu'on y est, c'est où la planque de Guèze? Vous m'avez baisé, hein? Devine. Ah bah, le coup de Guèze, un coup de génie, commissaire. Oh, va mollo sur les superlatifs, quand même. Ah bah, et même moi, j'ai cru que Guèze est mort. Bah, c'était fait pour ça, hein? Bon, par contre, il y a un truc que je fiche pas, là. Vas-y. Caroline, c'est quand même une nana super canon. Ouais. Pourquoi son client, il veut pas d'elle? D'après toi? Je sais pas, moi, je suis pas violeur. Elle va faire un petit effort. Bon, alors, Caroline, c'est quoi? C'est une journaliste célèbre, réputée, alors... Ouais. Le type la voit, il la reconnaît, il se barre. Eh ben, voilà, un début de raisonnement. C'est pas mal, possible. Madame, je suis le commissaire Valence. Bonjour. Bonjour. Je voulais vous demander, il y a quelqu'un qui occupe actuellement le 7e, là? Ah non, il n'y a personne. Personne. Et d'habitude? Il n'y a jamais personne. Vous savez à qui il appartient, cet appartement? C'est une société qui s'appelle la Lau Fantine, c'est ça? Fantine? Oui. Vous allez trouver ces gens? Ah non, pas du tout. Je sais qu'il ne faut pas rentrer. Ah non, mais attendez, il y a un ascenseur et il y a un code, vous voyez, pour rentrer. Bon. Eh ben, on n'est pas plus avancé. Merci, bonne fin de soirée. Au revoir, monsieur. Au revoir. Bon, j'appelle les dossiers judiciaires. Tu fais fouiller les empreintes, enfin tout. Et tu demandes à Laurence qu'elle me cherche des tuyaux sur cette société Lau Fantine. OK. Allez. Oui, Laurence, carrément. Bonjour. Bonjour, commissaire. Alors, Laurence, quoi de neuf sur la Lau Fantine? J'ai cherché partout. J'ai rien trouvé. C'est capital, hein. Tous les viols ont lieu dans l'appartement qui leur appartient. Et tant qu'on n'aura pas trouvé qui se cache derrière cette société, on ne saura pas qui est commanditaire de Guèze. Et lui, il est où? On a mis tous nos indices sur le coup, mais pour l'instant, on n'a rien. À mon avis, il se cache, le Guèze. C'est un grand malin. Bon, allez, la Lau Fantine, hein. Faut y aller. Je m'y remets. Vous pouvez compter sur moi, il faut que je trouve. Allez, courage.
Oui, commissaire. J'arrivais pas à vous joindre sur votre portable, alors je me suis permise d'appeler chez vous. Vous avez bien fait. J'ai Sophie Delmas en face de moi. Elle me dit qu'elle a peut-être une piste pour Ardel. Allez-y. Mais c'est pas sûr, hein. Elle dit que c'est pas du 100%. Alors ? Voilà, la petite amie d'Ardel habite rue Bayenne. Bart est dans le coin ? Oui. Bon, il prend deux gars et il va vérifier. Et pour Sophie, qu'est-ce qu'on fait ? Comme on lui a dit. Elle reste à l'hôtel, elle attend, on verra ce que le juge décidera. Bon, et pour l'appartement de la rue Constantine, t'as quelque chose ? Oui, j'ai enfin trouvé. Donc, l'Alofantine, c'est une société offshore. Et elle est basée aux îles Caïmans. Aux îles Caïmans ? Ça, c'est pas le milieu, hein. Pourquoi ? Parce que c'est l'endroit utilisé par les gros caïds de la finance pour planquer leur identité. Bon, merci. Allô, Caroline. Allô ? Oui, bonjour, c'est Valence. Dites-moi, ça vous est possible de passer me voir rapidement à mon domicile ? Oui, ouais, j'ai des choses très importantes à vous dire. Oui. Je peux être là dans une heure, ça vous va ? Oui, 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 ça me va très bien. Merci, je vous attends. Eh ben, qu'est-ce que tu fais là ? Vous m'avez dit de passer. Entre. Tu t'es encore barré ? Bah non, j'y suis même pas allé. Ah bah c'est malin, il va falloir que tu te calmes au moins. Ouais, hein? Mais franchement, j'en peux plus, quoi. En plus, personne ne m'aime et j'aime personne, quoi. Dis, tu crois que ça va être mieux dans la rue ? En tout cas, ce sera pas pire, quoi. Tu veux manger quelque chose ? Allez. Je sais pas de vous le demander. Faim, toi, hein. C'est vachement beau chez vous, hein. Ah, je suis content que ça te plaise. Oui. C'est Jamal, commissaire. Oui, Jamal, comment va? Ah, bien, bien, je vous remercie beaucoup. Alors, quoi de neuf? Ah, ce coup-ci, c'est moi qui peux faire quelque chose pour vous. Il paraît que vous cherchez Gaze. Tu parles si je le cherche. Et il vient de partir. Et je pense qu'il se dirige vers l'héliport. T'es sûr? Pour être sûr, je suis sûr. Bon, merci. Allô ? Allô ? Oui, Carrère. Valence. Dis-moi, on vient de me dire que Guez allait vers l'héliport. Oui, donc tu prends des mecs et tu vas là-bas, tu m'attends et tu me tiens au courant. Ok ? Merci beaucoup. C'est chaud. Ah, c'est chaud, hein ? J'aimerais pas être commissaire. Eh, heureusement. Allez. Non, Laurence, tu restes ici, tu nous attends. Non, tu nous attends. Ça doit être 3. Ah ouais, c'est bon. Monsieur, s'il vous plaît. Oui. Vous connaissez un certain Ardel ? Ardel, je l'ai croisé il y a 2 minutes. Il est sur le marché. Il habite là ? Oui. Bien, merci. Bonne journée, au revoir. Merci, au revoir. Vous vous mettez là.
Laurence pour Bart. Bon, on a repéré sa planque. Tu bouges pas, d'accord? Non, tu bouges pas, surtout pas. Ben, c'est à tout à l'heure. Bonjour. Bonjour. Qu'est-ce que tu fais là? Ben, je suis là. Ok. Commissaire, il est où? Alors, commissaire, il est parti voir un monsieur, Guez, et il a dit qu'il fallait que vous l'attendiez. Ok. Vous voulez boire un coup? Non, merci. Ardel, police! Police, qui bouge? Tu vas? Bravo, hein. C'est toi qui m'as dit rester là, hein? Ouais, c'était une bonne idée. Carrère de Valence, carrière de Valence. Carrière. Oui, dis-moi, quoi de neuf? Girard est dehors. Tout le dispositif est en place. Pour l'instant, toujours rien. Mais s'il y a du nouveau, je vous rappelle. À vous. Ok, j'arrive de toute façon. Bonjour, monsieur. Pour les côtes, serre-le-moi. Oui. Veuillez patienter un instant, s'il vous plaît. J'arrive, j'arrive. Surtout vous l'empêchez de partir, hein. Quoi qu'il arrive. Commissaire, c'est même que celui qui a servi à buter Loriot. Eh ben dis donc, t'es dans la merde, hein. C'est toi qui as buté Loriot? Qui ça? Hein? Qui ça? Oh le con, Loriot, ça te dit quelque chose? Je connais pas. Commissaire. Oui. J'appelle le SAMU. Pourquoi? T'es pressé, toi? Attendez, il pisse le sang, là. Ah ouais, ouais, j'avais pas vu. Arrêtez, Valence, j'ai mal. Regarde, je vais te montrer quelque chose. Regarde bien. Tu vois? Il y a marqué violeur. Caroline, et là, il y a un nom avec un point d'interrogation. Regarde bien. Je connais pas. Tu connais pas, t'es sûr? Non. Bon, ben, on va attendre. Arrêtez, je pisse le sang comme un bœuf, putain. Allez, alors, je le retire ou pas? Regarde, je le retire. Ok, c'est Margueras. Voilà. Et ben voilà. Ne comptez pas sur moi pour cracher cette vengeance. Eh oui, ne casse pas la tête. Maintenant, tu peux les chercher. Allez, viens là. Carrière, tout le monde, carrière. Appelle Samu, il y a des blessés. Ah. Allez.
commissaire, c'est Bart. On a chopé Ardel, il était chez son ex, rue Bayen. On l'a mis en garde à vue, il vous attend. Caroline ? Caroline ! Tu joues bien. Où t'as appris ça? Bah c'était au foyer à Bobigny, il y avait un piano, puis j'ai appris tout seul. Bah bravo. Bravo. Ouais, enfin pour celui-là, il est pas bien accordé. Hein. Mais ouais, il y a longtemps qu'il a pas servi, tu sais. Qu'est-ce que t'as fait de Caroline? Bah je sais pas, je me suis couché, puis je me suis réveillé, puis elle était plus là. Commissaire, c'est Bart. On a chopé Ardel, il était chez son ex, le Bayen. On l'a mis en garde à vue, il vous attend. Caroline de la Louvrière, vous pouvez laisser un message après le bip. Bon. Tu m'attends? J'en ai pour 2 heures. Ok. Caroline ? Qu'est-ce que vous faites ici ? J'ai oublié mon organizer et j'ai toutes mes notes. Sans lui, je peux pas travailler. Je peux vous aider ? Non, non. C'est gentil, mais j'ai vraiment besoin de m'occuper la tête. Au fait, Franck, tu peux me ramener Ardel dans mon bureau d'ici 5 minutes à peu près ? Ok, pas de problème, merci. Jean-Mi ? Oui. Vous avez joué au loto cette semaine, là ? Non. J'avais joué, c'est bien ce que je pensais. Je t'ai dit, Jean-Mi, le lundi, tu me le dis, le mardi, je te donne l'argent. Le mercredi, on joue, le samedi, on prend la vie, on est sous les cocotiers. Ah oui, j'ai toujours un peu d'argent sur moi. Est-ce que si tu fais une photocopie du ticket, est-ce que j'ai pas vu la photocopie ? Caroline, déconnez pas. Tirez-vous, Bart, il faut qu'il paye. Qu'il paye pour tout ce qu'il a fait.
Il a tué mon frère. Mon petit frère, vous comprenez? C'était un garçon formidable. Il l'a tué, salaud. J'ai pas fait exprès, je voulais pas. C'était un accident. Ok, j'ai pas fait exprès. Et quand tu m'as violé, espèce d'ordure, tu l'as pas fait exprès non plus. C'est pas moi, c'est Loriot qui voulait. Moi, je voulais pas, j'étais pas d'accord. Bah, Loriot, il est crevé. Tu vois, toi aussi, tu vas crever. Caroline! Caroline! Ça va? Caroline, je comprends tout ce que vous ressentez. Je vous en prie, faites pas ça. Je vous en supplie, laissez-moi faire. Vous allez foutre toute votre vie en l'air, Caroline. Ma vie? Mais qu'est-ce que j'en ai à foutre de ma vie, moi, maintenant? Caroline, celui-là, c'est une merde. Il va aller en prison, il y aura que ce qu'il mérite. Mais il y en a un autre derrière, celui pour qui il travaille. Et celui-là, je vais le trouver. Vous allez m'aider. Vous allez m'aider à le trouver. Caroline. C'est bon, vous l'amenez. Vous êtes prête à aller jusqu'au bout? Je veux tout savoir. Il va falloir beaucoup de courage. Quand Tardel et Loriot vous ont drogué avec le GHB, ils vous ont emmené dans un immeuble, rue de Constantine. Diego. Tout va bien? Ça va, ça va. Ça va, lâche-moi maintenant, merde! Regarde, regarde, c'est mon copain. T'as vu? C'est lui qui fait la fête. Allez, viens. Tu aimes bien les fêtes? Allez, viens. Viens. T'es qui, toi? Allez. M'attendez ici, comme d'habitude. Quoi, ça? T'aimes pas les fêtes? Viens de fête, on. Viens. Viens. Tu vas voir, ça va être bien. On va s'amuser, ça, c'est super. Viens. Voilà. T'as tout soin de toi. T'as tout soin de toi. Voilà. T'es qui, toi? Attends. Je suis ton ami, t'inquiète, viens, viens, n'aie pas peur, viens. Allez, viens. Ah, c'est beau, hein? Ah, mais lâche-moi! Fadel! Viens, viens faire un jeu. Voilà, tu vas être bien, vas-y, viens. Je prépare comme ils les aiment. Ah oui, à toi, allez. Mais dégage, toi! Laisse-toi faire, s'il te plaît. Doucement, doucement. Ouais, c'est bon, tu te casses. Ça va. Casse-toi, il va arriver. Allô, oui? Oui, bonjour, monsieur. Oui, c'est bon, vous pouvez monter, oui. Oh, réveille-toi, là. Faut pas dormir. Aïe! Non, non, bouge pas. Ah, bonjour, monsieur. Allez bien. Venez. J'ai quelque chose, là. Je crois que vous n'allez pas être déçu. Voilà. Mettez-la dehors. Quoi? Vous êtes complètement malade. Vous êtes encore plus tarbé que je croyais. Vous vous rendez compte des risques que je prends pour vous ramener les filles? Hein? Je le sais très bien, je vous paye suffisamment pour ça. Faites ce que je vous ai dit, mettez-la dehors. Beau-père. C'est pas possible. Je suis sûr. Même si, à l'heure qu'il est, j'ai pas les preuves formelles. Mais vous pouvez m'aider. Bien sûr. Mais comment? Je suis certain que si je le confronte avec vous, en face, là, il va craquer. Ça risque d'être une épreuve terrible pour vous. Vous y êtes prête? Ouais, je tiendrai le coup. On va le faire. Allez, je vous ramène. Commissaire, excusez-moi de vous avoir fait venir si tôt, mais c'était important. Vous plaisantez pour une affaire d'une telle ampleur? Vous pensez que Gaze confirmera ses aveux devant le juge? Et là, je ne le crois pas. Autrement dit, on n'a rien de tangible contre Philippe Margaraz, rien. Si vous considérez mon intime conviction comme nulle, on peut le dire comme ça, mais ce n'est pas tout à fait vrai, quand même. Vous savez très bien qu'il nous faut des preuves.
J'ai fouillé tout l'appartement de la rue Constantine, j'ai envoyé l'identité judiciaire pour voir s'il y avait des empreintes. Je l'ai même mis sur écoute téléphonique. Vous pensez bien qu'il ne va pas se vanter de ses exploits. Non, pour l'instant, c'est vrai que j'ai pas de preuves. C'est pour ça que j'ai pensé essayer d'obtenir ses aveux. Des aveux ? Vous voulez l'interroger ? Vous n'y pensez pas. Je pense que si je l'interroge et que je le mets en face de sa belle-fille, il peut craquer. Ah oui, et s'il craque pas, hein ? S'il est plus coriace que vous ne le pensiez, vous imaginez les conséquences, c'est la fin de votre carrière. Je sais. Et vous savez, si j'ai choisi la police, c'est pour que des ordures comme Marc Guéraz, si puissant soit-il, restent pas dehors à faire ces saloperies. Alors je sais, il y a un risque, mais je l'assume. Bonjour, commissaire. Bonjour. Un café, comme d'habitude ? S'il vous plaît. Pour madame ? Non, rien. Excusez-moi. Oui. Non. Merde ! Faut y aller. Quoi, un problème ? Caroline vient d'appeler son beau-père, elle lui a donné rendez-vous rue de Constantine. Folle ! Je viens avec vous. S'il vous plaît. Allô, Carrère de Valence. Carrère, oui. On annule tout, on va chez Caroline. Chez Caroline ? Oui, chez Caroline ! Mais pourquoi chez Caroline ? Parce que Marc Guéraz n'ira jamais rue de Constantine se jeter dans la gueule du loup. C'est stupide pour aller à ton rendez-vous. T'es foutu, Philippe. Tu vas aller en tôle pour toutes les saloperies que t'as faites. Je crois que je vais te tuer, Caroline. Mais t'es un pauvre malade. Tu crois vraiment pouvoir te blanchir en te débarrassant de moi ? Mais si tu me tues, tu signes ton crime. Quel crime ? Tout le monde sait que t'es très fragile. Personne ne sera étonné qu'après tous ces malheurs, t'aies décidé de mettre fin à tes jours. Mais le seul responsable de la mort de François, c'est toi ! Caroline, parce que tu m'as pris ce que j'avais de plus cher au monde. Tu m'as pris mon fils, mon petit François. Tu m'as pris mon garçon. Tu vas mourir, Caroline. Mieux que des aveux. Emmenez-le directement dans mon bureau. Le cauchemar est terminé. Je suis content de vous revoir. Je m'attendais plus à ce que vous m'appeliez. Non, mais vous croyez qu'on se débarrasse de moi comme ça ? J'allais faire une belle connerie. Je vous remercie encore de m'en avoir empêché. On a toujours envie de se venger, mais c'est une mauvaise solution. Bonjour. Salut. Mais qu'est-ce que tu fais là, toi ? Ben, je suis là. Allez, va au piano, vous allez voir. Il est bien meilleur derrière un piano que sur un scooter. Et puis plus utile, hein ? J'ai les yeux qui brillent, un café. Alors, c'est quoi vos projets ? Alors, j'ai une nouvelle idée. Je voudrais faire un reportage sur la police de proximité. Vous voyez ce que je veux dire ? Oui, oui, je vois. Alors, oubliez l'8e, hein ? Hein ? D'accord ? Dans la rue, les pieds nus sont frères. On se rêve tous une famille. Alors je m'en vais. La terre est plus ronde comme ça. Adieu
je vais seul, frère, dans le bas. Si rien ne colle, moi je m'en vais, moi je m'en vais. Et je me perds aussi loin que va la mer, là où la vie nous enterre. Si rien ne colle, moi je m'en vais. Désabusé, qui cherche au fond d'un sac plastique un soleil que rien n'a souillé. Je rêve encore comme je respire, oser le pire pour m'en sortir. Je ne connais qu'une tactique, alors je m'en vais. La terre est plus ronde comme ça. Adieu les seuls frères d'en bas. Si rien ne colle, moi je m'en vais, moi je m'en vais. Et je me perds si loin que va la mer, là où la vie nous enterre.